kuruka nanye nibuke ibukureke nanye nibuke nibukundo kuri bina twibukiranye ibuka nanye nibuke ibukureke nanye nibuke kubiza nyukuri niyo ntango yubiye Sinakoronsha karago cyangwa agataka nagushyinguye mu nda nkundira nkoronsa amarira kandi nkwandike mu mateka aya namwe magambo y'amaganya agahinda n'ikizere y'umucika cumu imvugo numvanye abantu benshi bari bitabiriye umuhango wa none wo kwibuka kuri uyu wa gatanu tariki ya gatandatu ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2018 umuhango wabereye i Buruseli mu Bubiligi kuri bamwe ni imyaka 24 kubandi ni imyaka 28 kuko haribukwa abantu bose bapfuye kuva FPR Inkotanyi iteye u Rwanda kuyambere z'ukwa 10 mwaka w'1990 n'igihe igihugu giciwe umutwe ku ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mwaka w'1994 benshi bahamya ko iyicwa ry'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe ariyo ntandaro y'amahano ndenga kamere yagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda yitwa genocide mu zindi ndimi abanyarwanda barapfa n'abahunze bapfiriye mu mahanga yewe n'ubu bagipfa abanyarwanda hamwe n'inshuti zabo bakaba uyu munsi kuri tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2018 bahuriye mu muhango wo kwibuka abavukijwe izina ry'ubucika cumu bagiye badasezeye kuko abicanyi batabahaye ayo mahirwe sinakoronsha agataka sinakoronsa n'akarago reka nkoronsa amarira yanjye nayo utigeze umenya kandi utazigera umenya urabeho twabibutsa ko iyicwa ry'uwari umukuru w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ryanahitanye uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Bwana Cyprien Ntaryamira ubwo tugana muri komine ya Buruwe Saint Pierre habereye uwo muhango wo kwibuka ku banyarwanda n'inshuti zabo twanyuze kuri ambasade y'u Burundi dusanga ibendera rimanuye batubwira ko nawe biteguye kujya mu mihango yo kwibuka Perezida Cyprien Ntaryamira kuko hari hateganijwe n'igitambo cya misa nyamara tugeze kuri ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi Avenue de Fleur twasanzeho ibendera rizamuye nkaho nta cyabaye nkaho nta kintu iyi tariki ibyibutsa ku Rwanda n'abanyarwanda ikindi twamenyesha nuko nkuko Bwana Matata Yosefu yabivuze ngo haba hari abantu bagaragaye nk'intore abantu bashaka kuza guhungabanya abari bitabiriye umuhango wo kwibuka wanone mugenzi wacu Vestina Mugwaneza yakurikiranye uwo muhango bona uri muri ba bantu bafite uturabo n'ubwirizo tw'umweru eh nukubera iki kuki waje kuki muri mutambagiro nuko uyu munsi nabashe kwigotora akazi nari mfite kugira ngo nze kwifatanya n'abandi banyarwanda kwibuka umunsi u Rwanda rwagwiriwe n'ibyago bikomeye cyane tariki ya gatandatu z'ukwa kane muri 1994 ngo njye akaba ariyo mpamvu mvuga ni ngoma kwigomwa ibyo nakoraga byose nkaza kwibukana n'abandi mu muryango wawe wowe ku giti cyawe hari abo watakaje wibuka uyu munsi natakaje abantu benshi cyane ari mu batutsi ari mu bahutu natakaje abantu mbese kubivuga ntago nabarondura ngo mbarangize kubera abantu b'amahene ni benshi nyine w'umunyarwanda n'abantu b'amahene kubwira bamwe muri abo baba ni famiye yanjye nabo nakubwira par exemple twapfushije kandi tubari abantu b'inshuti abandi nabo bazira ko ari abahutu nyine abo ni bande bazize ko ari abahutu njyewe navuga unze komisa mu mutwe ni mama wanjye ariko we yafunzwe muri mu mpera za 1994 afunzwe n'Inkotanyi apfira muri prison muri container afite niho yapfiriye ubwo niwe navuga arimo waje kwibuka arimo naje kwibuka hakaba n'abandi rero bari bishwe n'Inkotanyi muri 1990 nko harimo mu kwa gatanu duba harimo mu kwa gatanu bari batuye hafi ya Sende
umuryango witwa famille nibagiko yitwa ntwa arimo umukobwa witwa Tanazia twiganaga na famille yose babice muri ibyo bice akaye nabandi bari batuyeza za Remera bajye bicwa n'inkutanye mbese bamwe bicwe n'inkutanye kandi bicwa n'intera hamwe kuryo mbese ibiri no ruvange mbese murakoze yego babona mu bantu bafite uturabo nawe ufite akarabo muri mu mutambagiro nuko bera iki kuki witabiriye uyu mutambagiro uyu mutambagiro na witabiriye kubera kuyitariki n'itariki rwose yabayemo byagwiriye abanyarwanda twese nange ariko wanjye haba narapfushije abantu haba muri 94 napfushije papa wanjye kubitaguwe n'inkotanyi bamushoreye bamujyanye muri gereza ubundi tuza guhunga tujya muri Congo umwana wanjye bamunyicira mu ntoki napfushije abantu impande zombi nari mfite inshuti z'abatutsi barazica abavandimwe wanjye b'abahutu barabica papa aramwica umwana wanjye baramwica umugabo wanjye baramwica none waje kwibuka abo bose naje kwibuka abo bose kuko itariki niyo yabaye intandaro z'ibyo byose urakoze. Thank you.
cyane cyane ko ari umunsi w'imbarutso genocide ntiyari gushoboka mu Rwanda iyo hataba tariki ya gatandatu ukwezi kwa kane ariko Kagame yihaye uburenganzira bwo kwicungura igihugu cy'u Rwanda wari kumwe n'Uburundi Cyprien Ntaryamira bakurikije Cyprien bakurikije icyo kigadanye nawe wari umukiriza w'Uburundi wari umaze gutorwa mu gihugu ugomba no kwica abakuru b'ibihugu batatu b'abahutu ukabicira rimwe kandi ukabica uri ingabo zihagarariye abatutsi urumva ko yari azi neza ko azicisha abatutsi ku buryo urupfu rw'abatutsi umuntu wa mbere ugomba kubazwa ni Kagame yego n'abantu babugiyemo b'abahutu cyangwa abatutsi nibutse ko mu ntera hamwe yarashyizemo abasirikare be benshi barenga 100 nk'uko rusibiza bitubwira mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka wa 2004 asobanura ko mu nterahamwe harimo abatekinisiye benshi bayoboraga interahamwe abatekinisiye benshi bo mu nkotanyi nuko b'abasirikare harimo nabo mu rwego rwa kapiteni witwa Kamugisha Habat Boni Hiberi baje kwicana nyuma abo bose byagaragaje ko Kagame yari akeneye urupfu rw'abatutsi kandi umuntu arabibona ubungubu ko abafashe mwabonye ko abatutsi nyine agiye kubamarira ku icumu bamushahidi bari muri gereza ba Kizito Mihigo umuryango wa Rwigara wose arawutsinda umazemo ba Rwabukamba yaragiye arabica avuga ko biyahuye bazanduriye mu cyo basigaye bagwa mu ngazi mbese amaze abandi abicishije inzara abandi bicishije umukeno abandi bishwe n'amavunja abandi bishwe na bwaki abandi baragwingiye mbese nk'aya majyambere ya Kagame n'abamushyigikiye murakoze cyane Joseph Matata ese ubona hakorwa iki kugira ngo abantu bose bibukire hamwe kuko ni byaguriye abanyarwanda bose barababaye hakorwa iki ese urabona bishoboka wari ubitangiye niyo mugabo Gaburiheri wari ubitangiranye na Kizito Mihigo twamuburiye irengero ngo baramufashe baragenda nta wuzi ko baramugenjeje biragaragara ko mu gihugu imbere mu mwaka wa 2014 yewe n'indirimbo ya Kizito Mihigo ivuga igisobanuro cy'urupfu abo bose bari batangiye kwerekana yuko ibyabaye mu Rwanda ari ishyano ryagwiriye u Rwanda ko abanyarwanda bose mu gihe cy'icyunamo ari igihe cyo kugira ngo abantu bashyire ubumwe hamwe bishyire hamwe bashyire imbere ubumwe bwabo n'akaga bagize kuko niyo mugabo yavugaga ko n'abagiye kwica abandi nabo byagaragara ko babaye nk'abapfuye mbere yo kujya kwica kuko nta muntu muzima ushobora kwicira iyo wishe undi nawe ubuze wapfa ukaba ari akaga rero gakomeye cyane abanyega rero yuko gahoro gahoro tuzagera igihe twumvikane kandi kugeza ubu umuntu utubangamiye ni umwe ni umwicanyi w'umujenosideri mukuru witwa Paul Kagame uri i Kigali n'agatsiko kamwungirije abo bantu nidushobora ntibashobora kuva mu nzira nta shiti abanyarwanda tuzashyira hamwe tuganire twumvikane tunarebe uko byagenze abagize uruhare mu bwicanyi tubababarire cyangwa se tubashakire ibihano nk'uko byagenze mu gihugu cya Afurika y'epfo aho abicanyi b'abazungu n'ababarwanyaga baje kumvikana bagashyiraho icyo bita komisiyo verite natwe mu Rwanda irakenewe ariko birumvikana ko hari umuntu w'umubeshyi baramubonye imanza zose za Kagame zirimo ibinyoma gusa mwarabibonye kiriya gihugu uko kimeze ntabwo gishobora kugira amahoro kiyobowe n'umuntu w'umusazi nk'uko Marara wamurinze amubereka n'udukoro avuga ko ari umusazi nanjye ndabona ariko bimaze kumera urumva rero ko twagize ibyago bikomeye kubona tuva twitwa ko tuvuye mu bwicanyi ariko umwicanyi mukuru agakomeza kuyobora igihugu agakomeza kwica murabibona abahunga murabibona uko ibibazo bimeze sinshidikanya yuko uko bizagenda kose ikibazo ko kizagenda abanyarwanda nibo bafite igisubizo imfunguzo bazarubona ibintu byo gukomeza gutera ubwoba byo gukomeza gucecekesha abantu ku ngufu ntabwo bizakora kandi nzi neza ko guhera kuri iki cyunamo kizaba u Rwanda kizatangiye ibintu bizaba byarahinduka ntabwo numva umuntu uzajya kwibuka azi umuryango wa Rwigaraho ntabwo numva umuntu uzajya kwibuka azi umushahidi azi kizumiga hari nkeka ko ibintu byahindutse cya kinyoma cya Kagame kiragenda kimushwanya murakoze cyane Joseph Matata muri urugendo harimo abapolisi benshi kandi abantu baragenda baririmba abantu baragenda bafite indabo gusa abapolisi urabona baje kuturinda abapolisi baba baje kuturinda kuko hari abantu interahamwe niba ari intore hamwe mbona babonye babita kuvuga baba
bashobora kuza kutubangamira ubwo rero baba bahari hano kugira ngo atagire umuntu azi neza ko ari cyo nakagame nina kandi kagame nicyo kintu barimo gutinya urabona ko dufite abantu hirya no hino rero ubanza hari n'abo wenda babona bari bashatse kuhadutana birabarya mu mutwe cyane cyane abicanyi bo muri FPR gatinya uyu munsi muri wo kuruka abantu bose icyarimwe kuko bahisemo kuvangura no gutanya abanyarwanda nta narimwe bazigera bemera bukomeje kugenda ngo mbashimire byimazeyo kubona mwafasha akakanya ko kuza guhagararira abandi kandi muzi neza ko mu Rwanda babafutse ku munwa mwabonye uko bimeze ndagira ngo mbashimire byimazeyo uyu munsi ndavuga mu magambo make kubera ko twakererewe kandi turajya araho duhurira muri sale hano hafi turahababwira mu kanya ahubwo adresse tuza kuyivuga mu kanya kugira ngo duhurireyo nagira ngo mbamenyeshe yuko ngo hari abantu b'intore baje gucaracara hano nk'uko bisanzwe banduranya banduranya nka shebuja ni abantu badashobotse ariko mwabonye ko abashinzwe umutekano baje ari benshi ntabwo ari abaje kudukoma imbere ahubwo ni abaje gucunga yuko intore za Kagame zitaza kutwenderanyaho kuko ngo zikunda jenoside cyane ziba zijya ngo zirebe ko hari uwagwa hano cyangwa uwo twahitana ariko ntabwo twe turabicanya shebuja azabica abamare kugeza ku wa nyuma abiyemeje gukorera umwicanyi niko bibagendekera murabona rero habigeze uyu munsi nifuje kugira ngo mbasomere disikuru twakoze bwa mbere ku rwibutso murarubona aho ruri hariya abataruzi ngo ruriya hariya ruri ku duri muri rompo hariya twagize amahirwe ngo hari umuntu umugira neza ngo nabanza atari na leta y'ububiligi yarwubatse ngo hari umuntu umugira neza utarashatse ko yivuga nanjye kugeza ubu ntabwo nyamenye uwo ari we akora urwibutso mwabonye ejo bundi ko baje bakomeka kandi kantu gatoya ko ku Kagame nyine yari yasabye ko bashyira kandi kantu gato ariko twebwe nabyo nta kintu bitubangamiyeho kuko abatutsi nabo turabibuka uyu munsi twarabavandimwe abenshi baratubyara twarashyingiranywe n'abavandimwe nta muntu ushobora kuvuga ngo aravangura abantu babanaga uretse Kagame we utarabanaga n'abo bantu kuko abantu bose bari mu gihugu imbere abahutu abatwa n'abatutsi bose barapfuye bakorewe jenoside bishwe bazira ubwoko bwabo nta cyakindi bari bakoze
ibyo ryo twiyemeje ko kuva tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1995 mu mwaka wa 2005 niho twatangiye kwibuka bwa mbere hano kuri uru rwibutso kuko barwubatse mu mwaka wa 2004 donc hashize umwaka umwe urwibutso twarugize urwacu natwe ariko twe tukabibuka bose ndibuka ko bwa mbere tujyayo twajyanye icyo bita isanduka imwe cercueil imwe twerekana ko abanyarwanda bahambye mu isanduka imwe uko ari abavandimwe ko umuntu adashaka kubavanga nicyo gituma rero ubona Kagame buri gihe uru kwibuka iki cyunamo dutangira uyu munsi kiramubangamye kuko we n'umwicanyi afite ibyahisha twebwe ntago turabicanye ntawe duhisha ntacyo duhisha ariko duhera kuri itariki kuko iyo adahanura indege iyo adateza amakuba nk'ayateje ntabwo tuba turaha nta n'umuntu warapfuye mu Rwanda ariko twagize ibyago azari umucanshuro azari umugizi wa nabi n'ubu urabibona ubugizi bwa nabi n'abamugumye iruhande buri munsi bahora bamuvaho bamwirahira barwigara bose n'abamuhaye amafaranga yo kugira ngo agere kuri biriya bose arabamaze mwarabibonye bakize ito mihigo bamuririmbye bakamutaramira baboreye muri gereza bamushahidi abo bose ni abantu b'abatutsi bari baratangiranye isafari na perezida Paul Kagame bahagarariye FPR mu mahanga mushahidi nyirango yarahagarariye FPR mu Busuwisi ariko mwabonye uko yabagenjeje ubwo rero asigaje wenda no kuzafunga umugore we n'abana be cyangwa akabica kuko umuntu nkuriya nkuko Marara abyivugira avuga ko ari umusazi ntabwo ari njye ubivuga Marara wamurinze yarabyanditse mu gitabo cye n'uwo mukanya aho duhurira muri sale turagaruka ku gitabo cya Marara na n'icya Jidireva abona n'ibindi bitabo bishyashya byaje byiyongera ku byo dufite cyane cyane ku byaba ibitabo bya Ruzibiza niwe muntu wa mbere w'umututsi wanditse mu gitabo cye yandika genocide y'abahutu yandika ari y'abatutsi mu gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2005 cyasohotse mu kwezi kwa 10 ariko urumva ko cyasohotse twebwe twatangiye kubibuka bose hano ngiye kubasomera disikuru icyo gihe yasomwe na Rubere Rukerantare ngo mwabonye ko muri iyi minsi asa nk'uwibagiwe bya Kagame nawe akajya mu murongo ariko ntabwo ariwe tuvuga uyu munsi iyo ugize umuntu wese utakagira ibyaga akayoba nta kundi ukuntu babigenza discours du président du COSAR à la 11e commémoration de la tragédie rwandaise le 6 avril 2005. Le grand ennemi de la vérité est très souvent non le mensonge délibéré, artificiel et malhonnête, mais le mythe persistant, convaincant et irréaliste. Cette définition empruntée au président américain John Kennedy illustre très bien combien le mythe selon lequel le FPR a arrêté le génocide est le plus grand obstacle à la vérité, à la justice et à la réconciliation. La distinction entre les victimes d'une même tragédie et le mépris exprimé par les autorités rwandaises actuelles à l'endroit des victimes Hutu sont des comportements inhumains, cyniques et irresponsables. Depuis bientôt 15 ans, donc c'était en 2005, les victimes Hutu de la tragédie rwandaise déclenchée par les extrémistes du FPR sont des éternels oubliés par le gouvernement rwandais, le TPIR, donc le Tribunal pénal international, et le gros de la communauté internationale. En ce jour du 11e triste anniversaire, nous avons le devoir et le droit de venir ici devant ce mémorial construit par la commune de Saint-Pierre à la mémoire de toutes les victimes du génocide rwandais sans distinction aucune. 15 ans, presque jour pour jour, après l'invasion du Rwanda par le FPR et son allié Ouganda, il y a lieu de se rappeler que les extrémistes de deux côtés. Les extrémistes de deux côtés, je souligne bien, se sont livrés à des exactions portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le droit à la vie. Après le 16 juillet 1994, jusqu'aujourd'hui en avril 2005, soit 11 ans après, seuls les extrémistes Tutsi du FPR ont continué, comme ils l'avaient toujours fait, de planifier et de commettre de nombreux actes de génocide à l'encontre des populations Hutu. Ce génocide a ciblé toutes les ethnies du Rwanda, Hutu, Tutsi, Hutu confondus. Les emprisonnements arbitraires constituent aussi des actes de génocide visant à l'extermination des détenus eux-mêmes et leurs proches parents affectés par la détention. 15 ans de tragédie continue devraient nous convaincre tous que notre cher Rwanda a engendré une quatrième ethnie, celle des criminels impliqués dans des actes de génocide commis au Rwanda par des Rwandais et sur des Rwandais. Des bandes de tueurs sont apparues simultanément dans tous les groupes ethniques, qu'ils soient Hutu, Tutsi, Hutu. Ce constat est terrible et personne n'a le droit de se voiler la face devant cette tragédie. Ce qui est révoltant aujourd'hui,
c'est que toutes les institutions officielles de l'État rwandais sont noyautées, contrôlées et paralysées par un noyau dur d'extrémistes tutsi, de chefs militaires et politiques du FPR impliqués dans les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis non seulement au Rwanda, mais aussi à la République démocratique du Congo et en Ouganda, tout comme au Burundi. Après 15 ans de tragédies innommables, aucun Rwandais ne devrait se sentir lié, être forcé ou se sentir contraint d'être solidaire avec les assassins de son groupe ethnique. Nous devons prendre le courage et l'exemple de nos compatriotes qui ont eu ou qui ont encore le courage de dénoncer les criminels de tous bords, même lorsqu'il s'agit de nos proches membres de famille. L'idéal serait de dénoncer les vrais coupables et défendre des innocents en toutes circonstances. Ce n'est plus un secret pour personne que les personnes ayant osé accuser les criminels du FPR sont constamment menacées par le pouvoir de Kigali. Je les invite à la persévérance. Ce mémorial du génocide rwandais n'est pas et ne doit pas être le monopole d'un groupe ethnique. Je le répète, ce mémorial du génocide rwandais n'est pas et ne doit pas être le monopole d'un groupe ethnique, à savoir les Tutsis. Cette fois-ci, ce n'est même plus tous les Tutsis, puisque nous avons des Tutsis assassinés, des Tutsis en prison au Rwanda, mis en prison par le président Kagame. Donc, je vais dire, le petit noyau des Inhore, c'est les nouveaux ministres du président Kagame, qui sont ici aussi opérationnels. Donc, ce mémorial du génocide rwandais n'est pas et ne doit pas être le monopole d'un groupe ethnique. Il doit rester le mémorial de toutes les victimes de la tragédie rwandaise, aussi bien rwandais qu'étrangers. Nul ne doit accepter d'être privé de son droit le plus élémentaire de pleurer les siens. La stèle commémorative ici, devant nous, est pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'enterrer les leurs dans la dignité, un signe de leur rendre hommage. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rendre hommage à toutes les victimes qui sont encore éparpillées dans les fosses septiques, dans les toilettes, qu'on a jetées dans les ravins, etc., qui n'ont jamais eu de sculpture. Et on ne peut pas se souvenir, on ne peut pas les commémorer. Donc nous sommes ici pour commémorer tout ce monde-là, toutes les victimes oubliées, que ce soit ceux qui pourrissent dans les forêts au Congo, ça fait des milliers et des milliers, et on est ici pour justement les commémorer, leur rendre hommage. Il n'est pas dans les coutumes du Munyarwanda digne de son nom de voir les restes d'une personne qui lui est proche ou chère exposée à la manière du FPR, comme si c'était une récolte à faire sécher. Cela témoigne une fois de plus le caractère sauvage et cynique de ces gangsters. Je dis bien des gangsters parce que vous avez vu comment ils ont volé les biens des Tutsis qui ont financé le FPR, Rouge Giro Tribet. Maintenant, ils ont vendu l'usine de la famille Rwigara à Sinapol. Donc, le gangsterisme, c'est le terme qu'il faut. Ce sont des bandits. Je suis désolé, ce sont des bandits qui sont au pouvoir. Le fait d'être au pouvoir, ça ne nous empêche pas d'être des gangsters. Donc, nous avons maintenant des preuves, plein de preuves. Donc, cela témoigne une fois de plus le caractère sauvage et cynique de ces gangsters qui gouvernent actuellement le Rwanda. Ce mémorial est le seul actuellement au monde où tous les rescapés et leurs proches peuvent venir se recueillir librement sans être pourchassés par la machine à tuer de la junte militaire du général Paul Kagame qui continue d'opprimer et de prendre en otage le peuple rwandais. Devant la partialité et la complicité du tribunal pénal international, nous demandons à toute personne qui porte une quelconque responsabilité dans les massacres, assassinats et autres crimes de sang d'avoir le courage d'assumer sa responsabilité ou ses manquements et témoigner à des charges en faveur des personnes accusées ou emprisonnées injustement au Rwanda, au tribunal pénal international ou dans d'autres pays africains ou ici dans les pays occidentaux en Europe. Donc il faut avoir le courage de défendre les innocents et justement d'accuser les vrais coupables. Devant le silence complice d'une communauté internationale qui continue de soutenir financièrement, militairement, diplomatiquement et politiquement le régime criminel, terroriste et antidémocratique du FPR et Paul Kagame, soyons motivés et persévérants pour réclamer que justice soit rendue à toutes les victimes de la tragédie rwandaise qui continue d'endeuiller toute la région des Grands Lacs d'Afrique. Ensemble, exprimons notre combat pour la justice, le respect de l'autre et la dignité humaine. Disons non à la peur, non à la terreur, non au terrorisme d'État, non à la manipulation, non aux extraditions sauvages et non à la discrimination. Oui à la justice équitable, oui à l'égalité des droits et des chances, oui à la cohabitation pacifique. Et ça, c'était le premier discours qu'on a prononcé là. On avait reçu l'autorisation
du bourgmestre Jacques Vandenhout. C'était un bourgmestre qui venait de passer 22 ans à la tête de cette commune, qui était un démocrate tout à fait convaincu. Ça ne veut pas dire que l'actuel bourgmestre n'est pas un démocrate. Je l'ai rencontré en 2014. C'était un homme magnifique, mais il subit des pressions de l'État, de plusieurs lobbies qui essayent, dans la mesure du possible, de nous empêcher d'approcher du mémorial. Donc, nous avons trouvé, je vais dire, cela. C'est une manière de discriminer les Rwandais qui va à l'encontre de l'union fait la force, qui est la devise du peuple belge dont nous faisons partie. Donc, ça, c'est encore une entorse terrible. C'est comme le Parlement belge qui a été justement interdit aux jeunes d'Ojambo parce qu'ils sont nés Hutu, tout simplement. Donc, nous devons absolument faire face, peut-être saisir le centre d'égalité pour les chances pour que ce problème soit levé. On ne peut pas discriminer les gens sur base ethnique. Nous sommes tous des victimes. Nous devrions tous avoir accès à un mémorial parce que c'est un mémorial belge. Et c'est un mémorial, malheureusement, qui est géré apparemment par le président Kagame qui aurait dû se trouver en prison et qui essaye de gérer, de terroriser les gens. Vous savez que le gouvernement français est terrorisé. Il y a plusieurs personnalités françaises qu'on accuse d'avoir trempé dans le génocide rwandais, ce qui est faux. Vous avez vu le procès récemment de Luc Marchal, c'était un procès contre la Belgique, etc. Donc, l'OFPR essaye vraiment de mener, essaye d'attaquer tous les gouvernements de front. Alors qu'il y a certaines personnes qui étaient aux affaires ici, en Belgique, qui, en quelque sorte, ont soutenu l'OFPR d'une façon, d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, quand on soutient un bandit, il se retourne contre vous. Je disais que c'était un gangster. Rwigara financé à coup de millions. Maintenant, on est en train de proposer la vente de ces enchères. Ses enfants, sa femme sont en prison. Donc, on a eu la malchance. On a eu non seulement un génocide, mais le génocide continue sous d'autres formes, avec un chef d'État qui vraiment a décidé d'une façon ou d'une autre de continuer d'exterminer le peuple rwandais. Que ce soit au Rwanda, que ce soit même ici, en Europe, partout, il poursuit des gens. Donc, vous ne devez pas perdre le courage. D'habitude, on est ici. On était plus ou moins une centaine. Maintenant, on est moins. C'est cette peur-là qu'il faut continuer de combattre. Il ne faut jamais céder à la peur. Ce sont les criminels du FPR, ce sont les criminels des Interahamwe qui ont commis les massacres, qui doivent avoir peur, et non pas les victimes, et non pas les rescapés comme nous. Je vous remercie. Les nôtres sont encore vivants, mais sous notre force. Donc, on va lâcher les ballons. Je
Qui peut raconter mon histoire sans faillir ni trahir? Le 6 avril 1994, j'ai perdu. J'ai perdu mon pays, j'ai perdu mon président, ma famille, mon village, mon travail. J'ai perdu. Mbanze sogokuru ngira umwami medali. Mbura ni tariki ya gatandatu kwezi kwa kane mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mbura ni yo tariki ntacumura kandi ntacecetse. Horihorere sogokuru medali wajyanywe n'abagome ntaguhaye umudari ngo ngushimire ko wabaye ikirenga. Ihorihorere sogokuru ngira umwami, ngira umwami mu mutima wanjye ndetse n'umwami mu muryango w'abayabuze. Ambara ikamba w'umwami wacu. Reka mbibutse ko bagomye uwo munsi bagutwara amagara batenda kukurya bagahitamo kugufumbiza umukokwe. Umukokwe ni isoko twavomagaho amazi atumara inyota ngo babarunze mu mukokwe muri abakamba. Ubu barakaramba barakabyara bakarera u Rwanda. Ihorere sogokuru, ndeka nkurenzeho amagambo yonyine, sinashoboye kukurenzaho itako. Sinashoboye kukurenzaho itaka ngo nkurinde inkona n'inkongoro, ngo nkurinde abashahuzi, ngo nkurinde isazi, nkurinde abakinisha imibiri y'abantu y'inzirakarengane nkawe n'abandi bose bishwe nabi. Ihorere sogokuru, nkugira umwami aho nagushyinguye mu nda, nkongera nkorosa amarira n'amagambo nkurinda amaganya nubwo ntaguhisha ishyano twagushije nyuma ya burya bagutwara bajya kukwica ngo bishimishe kandi bishe umukambwe w'inararibonye. Ntibakuretse ngo tubarire revolusiyo w'itanu n'icyenda, ngo uvuge uko wabonye ubwigenge n'uko abakoloni bagiye, ngo uvuge uko wabonye idarapo ry'umutuku, umuhondo n'icyatsi risimbura inganji ikaringa. Ntibakuretse ngo wari uko wabonye amateka atanga ituze mu Rwanda. Hora sogokuru, wagiye utabwiye abatabizi umushari wa karinga n'uburyohe bwa repubulika. Mbisubiremo, umushari wa karinga n'uburyohe bwa repubulika. Ngo ubu uko wabonye amateka, warasogokuru, umuyaga wakujyanye uragahera mu kidaturwa, umuyaga wagutwaye uragatsindwa n'urukundo ibuntu. Ruhukira mu mahoro nkingi yanjye, ruhukira mu mahoro mwarimu w'amateka yanjye n'ay'u Rwanda. Ruhukira mu mahoro muzi w'umuryango, nkurikize masenge nyiramihanda arangwida n'abe bose, nkurikize mama wacu Suzana n'abe bose, babyara banjye muhumure muhore, twa dufuni n'akandoyi birakajya ikuzimu nta kindi nababwira. Hagowe uwabibahitiyemo murabera kwa Jambo Fabrice Malayika muto mu buzukuru ba data na mama. Udusabire ububare bw'umubiri n'ubwa roho wajyanye ndabutekereza nkabwumva, nkumva imvano y'iyo mvange yabyaye amatage ugacuka utagomba, ugatana n'umuryango, ugatanga utimye ingoma ya bucura iwanyu kwa Hakiza mu ngo tashye rwa ruhinja na Eduwari Sowanyu. Rungano natakajemo amateka Nibuke Florence na Mukarugwiza, baturanyi natakajemo urukundo n'ubuzima bwacu, ubwanjye n'ubwanyu,
barezi nabuze ntarabashimira ubumenyi mwampaye ngo njijuke kandi njujura abandi ndandura ubujiji n'ubwigunge muruhukire mu mahoro mwe mwese nabo ntavuze muruhukire mu mahoro mwagiye muri abatutsi abandi bagenda ari abahutu mbaragije imana kandi nsaba amateka kutabibagirwa no kudapfoya ubwoko bwanyu mwese mbatuye u Rwanda rutari mu mwaga mbatuye ubuzima mugaruke ibuntu maze ndebe za nkora busa zitaba amateka yanyu aho zizakira agacece mu mutima niyo kwa jambo mwaravutse mubaho nk'abandi muricwa nk'abandi mwibukwe nk'abandi mborosha amagambo sinashoboye kuborosa uturago mborosha amarira yanjye mborosha amagambo sinashoboye kuborosa itaka mborane tariki ya gatandatu mata mbibuke mborosa amagambo mborosa icyubahiro murabe abo nkunda mborosa amagambo sinaboroshe itaka mborosa urukundo mbandike mu mateka.